Le recensement électoral, le chronogramme des élections et la partialité du juge électoral qu'est la Cour constitutionnelle au centre ce matin d'un point de presse de l'opposition politique réunie au sein de la RDR. On en parle au tout début de cette édition et à la fin en intégralité. Et puis le secrétariat de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives publie le rapport 2012 sur les recettes tirées de l'exploitation des ressources dans divers pays. Au Niger, l'on constate un grand écart entre l'annonce et la réalité. Une campagne de vulgarisation de ce rapport a débuté ce matin à Tillabéri. Des précisions également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. L'opposition politique nigérienne réunie au sein de l'ARDR, l'Alliance pour la Réconciliation, la Démocratie et la République, a donc animé ce matin un point de presse au siège du Modèle Lumana Africa. Trois points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre entre les médias et les responsables de l'ARDR, à savoir le recensement électoral effectué par le comité du fichier électoral biométrique, le chronogramme des élections établi par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et la situation de la Cour constitutionnelle, le juge électoral. Donc, le résumé de ce point de presse animé par Maître Souley Omorou avec nos reporters Adam Soumana et Halidou Bourema. Par la présente rencontre au haut niveau de l'opposition nigérienne, cette dernière entend rompre avec le silence en vue d'éclairer l'opinion publique sur la vie sociopolitique du pays. Un silence dont le président de l'ARDR n'a pas manqué de donner les raisons. Entre-temps, il y avait l'approche du mois béni de Ramadan, puis tout le mois de Ramadan, qui habituellement est consacré au recueillement, aux prières, aux méditations. Et puis également, après le mois de Ramadan, une petite pause. Donc ça fait pratiquement un peu plus de 2 mois que vous n'avez pas écouté, entendu, j'allais dire, les positions de l'ARDR sur un certain nombre de questions touchant la vie nationale. Quant à l'animateur de cette rencontre avec la presse, le rapporteur général de l'ARDR, il a éclairé l'assistance et au-delà l'ensemble des Nigériens sur des points saillants marquant la vie politique du pays et les inquiétudes de l'opposition, notamment sur le processus électoral à venir. En raison du doute qui plane sur la fiabilité du fichier électoral, sous la direction d'un CFEB qui a fonctionné dans les conditions que l'on sait, l'ARDR exige un audit externe du dit fichier. Le chronogramme retenu par la CENI a violé la loi électorale et les délais qu'elle a fixés. Nous sommes régés, pur et simple, par l'ARDR pour revenir à un chronogramme qu'elle a écarté à dessein et à raison justement de la fraude qui est en train de s'annoncer parce que je vous indique qu'en 1998, pour évaluer la crédibilité des juges de la quatrième République, tous les partis de l'opposition avaient exigé qu'on commence par les locales pour savoir le voix de chacun. Donc tout le monde sait que les locales permettent une évaluation réelle du poids électif de chacun. L'ARDR a récusé et disqualifié la Cour constitutionnelle actuelle pour contrôler la régularité des élections présidentielles et législatives à venir et proclamer les résultats. Cette position de l'opposition présage d'une crise politique dans les mois à venir qu'il faille éviter au pays. Aussi, les différentes parties concernées sont interpellées à mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation au-delà de toute autre considération. Libre, transparente, apaisée. Voilà, vous suivrez donc l'intégralité de ce point de presse animé par les responsables de l'ARDR à la fin de ce journal. De la politique encore avec la mise en place ce matin du comité régional au titre de la région de Niamey du mouvement démocratique pour le renouveau. C'est un nouveau parti politique, le MDR Tarna, une activité qui marque le début du processus d'implantation du parti à tous les niveaux et à l'échelle nationale et qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des futures échéances électorales chez Bougisso et Souleymane Mouni Barma pour le compte-rendu. C'est dans un esprit de solidarité entre les citoyens pour un Niger uni et fort que le mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna a procédé ce samedi matin à la mise en place du comité régional de Niamey, qui aura à son tour la mission d'implanter le parti à travers la mise en place prochaine des différentes structures de base dans la région de Niamey. Une démarche qui s'étendra dans toutes les régions du pays.
Ce comité que nous venons de créer aura l'honneur et surtout la responsabilité de mettre en place les structures démocratiquement solides qui seront garantes de l'implantation de notre parti dans la région de Niamey, qui est à la fois la capitale nationale, mais aussi ville stratégique pour toute ambition politique. Cette démarche constitue un pas de plus vers une plus grande représentation de notre parti dans toutes les régions du Niger. Pour atteindre cet objectif, le mouvement démocratique pour le renouveau est en train de s'implanter dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque campement de ce grand pays, afin d'être au plus près des préoccupations des Nigériens en leur rendant la place centrale qu'ils méritent. Dans le souci d'offrir une meilleure alternative politique aux citoyens, le MDR Tarna entend mettre tout en œuvre pour participer aux élections générales de 2016. Dans cette perspective, le mouvement démocratique pour le renouveau Tarna entend jouer pleinement son rôle en participant à la vie sociopolitique de notre pays et garantir en tant que mouvement démocratique tous les acquis démocratiques acquis de haute lutte par notre peuple. Les échéances électorales de 2016 seront un moment fort et déterminant pour notre démocratie. Mais un moment que tous les Nigériens et en avant-garde tous les acteurs politiques de ce pays doivent gérer avec la plus grande sagesse. La promptitude à s'élever pour défendre la liberté et l'indépendance du Niger, les soucis permanents de la justice dans toutes ses dimensions et manifestations, la tolérance et la fraternité sont les principes fondamentaux dont doivent se proclamer aujourd'hui et demain toute personne, quiconque voudra se prévaloir du titre de militant du mouvement démocratique pour le renouveau. Animé par des cadres avertis de la scène politique nigérienne, le mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna offre une place de choix à la jeunesse et à la femme de notre pays. Voilà, un mot de politique encore avec ce meeting de ralliement au PNDS Tarea qui a eu lieu cet après-midi, comme vous le voyez sur ces images au quartier Yantala. Ce sont des jeunes et des femmes de ce quartier qui sont de plusieurs formations politiques qui ont décidé donc de rejoindre les rangs du PNDS Tarea. Le meeting s'est déroulé en présence du président de la Fédération PNDS Tarea de Niamey, mais aussi de l'opérateur économique et militant du PNDS Tarea, Zakou Joubou d'Isakaï. Le meeting a eu lieu donc cet après-midi. Nous allons y revenir dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Du fait des fortes précipitations, les eaux du fleuve montent au niveau de la région de Niamey. Elles provoquent même des inondations depuis quelques années, particulièrement dans le 5e arrondissement communal. Alors, quelles sont les mesures prises par les responsables de cette commune et ceux de la région de façon générale? Voyons tout cela dans ce reportage signé Ibrahim Boubacar et Assoumana China. La vie n'est pas aisée pour les populations riveraines du fleuve pendant la saison des pluies. Leurs habitations et leurs champs s'exposent au risque d'inondation avec la montée des eaux. Face à cette menace, les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Des mesures préventives ont été prises. Le gouvernorat, avec les municipalités, avait pris, en tout cas, soin de préparer l'hivernage 2015. Et la première des choses, c'est que, avec la participation du PRUD, donc une équipe est allée en mission à Ouagadougou, pour voir comment ils ont géré les inondations passées. Fort donc de cette mission, un plan d'action régional a été élaboré et qui a donné lieu à un plan de contingence 2015 qui a été élaboré également. Dans ce plan de contingence, déjà, nous avons ciblé un certain nombre d'écoles dans les différentes communes et que dans chaque école, nous avons déjà libéré 3 classes par école pour pouvoir accueillir, dans le pire des cas, des éventuels sinistrés. C'est des populations de Niamey qui ont décidé de transformer leur jardin en habitation. Donc ils sont complètement dans le lit du fleuve. Donc ça, à ce niveau, c'est une situation quand même déplorable, mais pour laquelle nous sommes en train de chercher également des solutions. Nous avons lancé un appel vraiment à toutes ces populations riveraines du fleuve de prendre les dispositions au cas où ils sentent la menace. C'est de pouvoir se mettre à l'abri.
De leur côté, les autorités du 5e arrondissement ont procédé à la réhabilitation des digues de protection. On a visité deux chantiers sous lesquels nous sommes en train de faire des travaux de digues. Grâce à l'appui de la ville de Niamey et d'un opérateur en carburant et en matériel et de l'ONAHA en matériel. La sensibilisation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en son temps, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Il faut continuer à faire la sensibilisation pour que les gens comprennent et ils s'imprègnent des situations qui s'imposent. Nous sommes là, notre rôle, lorsque nous sommes là, c'est pour pouvoir contenir les eaux du fleuve pour ne pas que les digues là puissent céder et inonder les populations et les rizières. Ces dernières années, à chaque saison de pluie, le fleuve déborde et occasionne d'importants dégâts. Des champs inondés, des maisons effondrées, faisant des milliers de sans-abri. Projection hier soir au centre des jeunes du quartier Talaye de Niamey d'un film intitulé « Un fou noir au pays du blanc ». C'est un film qui aborde les problématiques de l'immigration clandestine. L'initiative de la projection de ce film émane d'un compatriote nigérien vivant en Belgique en collaboration avec les organisations de la société civile nigérienne. Michel Deji et Ibrahim Abdou pour le résumé de ce film. Il s'agit d'un film comique mais dont le sens est palpitant. À travers sa projection, le public a su découvrir la triste réalité que vivent au quotidien les immigrés africains en Occident. On a constaté que les jeunes là qui, comment est-ce qu'on appelle, qui consistent à s'exiler vers les pays européens à la recherche de cet Eldorado, ne procède même pas finalement à concéder cet Eldorado. Maintenant, quand vous croisez un jeune Nigérien, vous le dites que vous venez des États-Unis, il voit que vous venez totalement d'un paradis. Or, c'est totalement faux. C'est un film triste. Bref, c'est lamentable. Je crois que ce film aujourd'hui nous a permis de tirer des leçons. Et des leçons justement à transmettre aux autres qui sont tentés d'aller à cette mésaventure migratoire. Comment est-ce qu'on peut alors résorber ce problème d'immigration clandestine? Voilà, la première chose, nous avons été à Bruxelles, à l'Union Européenne, pour dire non à l'initiative de l'Union Européenne de mettre le moyen important pour casser les bateaux qui sont d'opportune qui sont utilisés pour l'immigration. Ce n'est pas une solution, ça c'est une solution facile pour l'homme européen. Nous avons dit non. L'argent qu'il faut que la communauté internationale pense mobiliser pour attaquer aux bateaux dans la mer pourrait être utilisé pour le développement des pays en voie de développement. C'est très important par rapport à cela. Nous sommes dit aussi que l'initiative de créer des centres d'accueil de réfugiés au Niger n'est pas une initiative louable. Non, c'est créer des entreprises, faire en sorte que le moyen qui vont être utilisés pour recruter des personnels qui vont s'occuper des centres, pour mettre le fonctionnement de ce centre, de le mettre par la création d'entreprises. Au vu de l'intérêt qu'a suscité ce film, les organisateurs de cette projection envisagent de poursuivre cette initiative afin de contribuer à la recherche des solutions appropriées aux problèmes actuels que pose l'immigration clandestine. C'est l'un des titres de ce journal, le secrétariat de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE a publié le rapport 2012 sur les recettes engrangées par les États et annoncées par les différentes sociétés qui exploitent les ressources minières dans les différents pays membres de ce secrétariat. Le réseau nigérien des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire ROTAB, structure membre de l'ITE, a débuté ce matin une campagne de vulgarisation de ce rapport.
Le début de la campagne a eu lieu ce matin donc à Tillabéri et l'on apprend que dans ce rapport, l'État nigérien a engrangé un peu près de 175 000 milliards de francs CFA, 175 milliards plutôt de francs CFA, contre plutôt 172 tel qu'il a annoncé au titre de cette année 2012. On fait le point du début de cette campagne de vulgarisation avec nos reporters Abdel Nasser Seydou et Michel Deschi. C'est un rapport tripartite État, compagnie et société civile élaboré dans une démarche qui trouve son essence dans l'information citoyenne, l'obligation de rendre compte, la protection de l'environnement, la préservation des intérêts des générations présentes et futures et du développement local. Des valeurs prônées par l'IDE qui ont longtemps préoccupé des acteurs de la société civile nigérienne opérant dans le domaine des industries extractives. On a dit que le flux globaux déclaré collecté par l'État soit de 172 milliards donc de francs CFA. Et au niveau des entreprises, ils ont déclaré 174 milliards de francs CFA. Vous constatez une différence d'à peu près de 2 milliards qu'il y a entre la déclaration des compagnies et la déclaration de l'État. Souvent, comme vous l'avez vu dans le rapport, nous remarquons qu'il y a des écarts. Nous, la société civile, nous veillons à ce que les exigences utiles que vous avez derrière le rapport de synthèse, que ces exigences-là soient respectées. Nous, au niveau du Niger, nous avions la chance d'avoir un représentant de la société civile dans ce conseil à travers ma personne. Je représente la société civile africaine au sein du conseil d'administration de l'ITIE international. C'est pour ça qu'à l'article 148 de la Constitution, déjà on a dit expressément que les ressources nationales, les ressources naturelles du sol et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien. Une initiative hautement saluée par les participants qui ont profité de l'occasion pour dénoncer le fait que les exploitations minières en général et l'or de Samira en particulier ne profitent guère aux populations locales. Qu'est-ce que les ressources minières ont apporté en 2012 et qu'est-ce qu'ils ont versé dans les caisses de l'État et qu'est-ce que l'État a reçu d'eux? Déjà, ça veut dire que les gens sont informés et ça fait donc une piste, la piste de transparence. Donc, ça a permis à chacun de nous d'avoir des informations fiables et au finish, vraiment, tout le monde a été éclairé et donc l'impact est vraiment positif. Notons que les contributions faisant suite à cette campagne de vulgarisation du rapport ITIE 2012 auront à permettre aux acteurs de la société civile de faire des propositions concrètes qui tiennent compte des réalités du terrain dans le cadre du nouveau projet de loi minière qui est actuellement en gestation. Nous en venons à présent à la partie magazine. Comme annoncé, elle est consacrée au point de presse animé ce matin par les responsables de l'ARDR, l'Alliance pour la Réconciliation, la Démocratie et la République, le regroupement des partis de l'opposition. Une conférence qui a été axée sur trois points, à savoir le recensement électoral, le chronogramme établi par la CENI pour les élections générales de 2016, mais également la partialité du juge électoral qu'est donc la Cour constitutionnelle. La conférence, le point plutôt de presse a été animé par Maître Souleyou Morou, il est le rapporteur général de l'ARDR. Je propose donc de suivre l'intégralité de son intervention. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Les Nigériens verront bientôt la fin des deux épreuves qui ont été imposées pendant bientôt 5 ans par les autorités de la 7e République. Pour conjurer le sort que Dieu le réserve, ainsi que le vain peuple nigérien auquel ils n'ont jamais cru, ces autorités cherchent à créer les conditions de leur auto-élection. Comment? À travers le dysfonctionnement des trois organes chargés de préparer, d'organiser et de valider les élections, à savoir
le CFEP, la CENI, la Cour constitutionnelle. Pour réaliser leur objectif, les autorités de la 7e République, au premier chef, le chef de l'État, qui veut s'auto-élire dès le premier tour, en préparant les élections sans rechercher le consensus de la classe politique, tout parti confondu, à travers le CNDP, afin d'aller aux élections dans des conditions apaisées et obtenir des résultats acceptés de tous. Recherchant la victoire à tout prix, dès le premier tour, il veut, à travers des procès politico-judiciaires, éliminer tous les adversaires potentiels susceptibles de lui barrer la route de la Cour constitutionnelle de la 4e République va valider les résultats acquis d'avance selon leur propre calcul. C'est pourquoi, pour parvenir à ces résultats tronqués, le chef de l'État et avec lui tous ceux qui sont appelés à concourir à la réalisation de son projet d'un deuxième mandat à tout prix et quel qu'en soit le prix, veulent s'appuyer sur le dysfonctionnement du CFEB, de la CENI et sur la complicité active de la Cour constitutionnelle telle que décrite dans le tome 1 du livre blanc publié par l'ADR. Parlons du CFEB. Pour parler du CFEB, nous allons partir de son historique, les conditions de sa mise en place. Vous vous rappelez que dans le choix des membres du CFEB, beaucoup de choses ont été dites. Et à l'issue de ces choix, nous nous rappelons également que le président du CFEB était politiquement marqué, n'est-ce pas, par rapport donc aux partis politiques et avait des opinions politiques affichées du côté de la majorité. Et c'est pourquoi le CFEB n'a jamais fonctionné de façon collégiale et en violation de son propre règlement intérieur. Au plan national, comme au plan régional, les travaux de recensement électoral ont été pilotés par quelques individus et en écartant très souvent les membres et les délégués de l'opposition. Les fonds mis à la disposition du CFEB pour assurer le recensement physique à hauteur de 3,5 milliards ont été utilisés à payer les fournisseurs et prestataires de services dans le dessein d'empocher des rétro-commissions. Le dysfonctionnement de cet organe et la compromission de ses membres a d'ailleurs entraîné la démission de M. Gambossani, rapporteur général du CFEB, de sorte qu'à 6 mois des échéances électorales, le fichier électoral n'est pas disponible et sa disponibilité annoncée au mieux pour fin octobre ou novembre 2015 et en tous les cas hors les délais constitutionnels et légaux. Et ce n'est pas tout. Selon la loi électorale, le fichier électoral doit être mis à jour annuellement. À lieu et place de cette mise à jour annuelle, les autorités de la 7e République ont décidé de la mise en place d'un fichier biométrique. L'opposition, tout en acceptant le principe de la biométrie, adopté dans beaucoup de pays de la sous-région et qui a fait ses preuves, a recommandé la poursuite de la mise à jour annuelle du fichier électoral de 2011 qu'on disait disponible. Pendant 4 ans, non seulement le fichier électoral disponible n'est pas mis à jour, mais le gouvernement soutient aujourd'hui que ce document, d'ailleurs critiqué par l'OEF à l'époque, a disparu. Faute de son existence, de sa mise à jour, faute de fichiers biométriques, le gouvernement a décidé d'élaborer un nouveau fichier électoral par recensement de porte à porte, qui aboutit au résultat suivant. Les zones nomades ont été mieux recensées que les zones sédentaires et urbaines. Certaines localités sont recensées à 100, 150 et même 200%. Tawa, comme par hasard, est recensée à 98%. Agadez enregistre des taux allant de 100 à 200% dans 11 communes sur 15 et j'en passe. Toutes ces manœuvres n'ont d'autre objectif
que la préparation d'une fraude organisée à vaste échelle. À ce jour encore, le recensement électoral de Nigeria à l'étranger n'a pas eu lieu à l'expiration des délais fixés. Sans compter que des cartes consulaires et des livrets de famille vierges sont déjà prédisposés et des recensements hors délai n'étant pas réalisés et qui n'est pas réalisé dans les délais, n'est-ce pas? On a donc mis en place des autorités pour faire un recensement par des autorités non habilitées. La position de l'ADR est donc claire. À raison du doute qui plane sur la fiabilité du fichier électoral, sous la direction d'un CFEB qui a fonctionné dans les conditions que l'on sait, l'ADR exige un audit externe du dit fichier. Parlons à présent du fonctionnement de la CENI. Là aussi, c'est suite à la convocation des CNDP, à la demande de l'ADR, que celle-ci a été mise en place devant le peu d'empressement du gouvernement à le faire. Mais là également, que constate-t-on? Après la mise en place du bureau, ce qui est prévu pour la CENI, donc, c'est la mise en place des commissions. Et à la CENI, il y a 5 sous-commissions. Sur les 20 membres, comme l'a annoncé le président Mohamed Ousmane, que comportent les 5 sous-commissions de la CENI, l'opposition n'est représentée que par un seul membre, en violation de l'article 14 de l'ordonnance du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition qui dispose. Les partis politiques de l'opposition bénéficient d'un droit de représentation proportionnellement au nombre d'élus au sein des organes et des institutions où elles siègent. Ce qui signifie que l'opposition doit, au pire, être représentée par 5 délégués. Il y a donc là une violation de la loi que la CENI doit au plus vite corriger, et cela dans toutes les sous-commissions, y compris la sous-commission Défense et Sécurité. Du chronogramme, par communiqué de presse en date du 20 juillet 2015, le président de la CENI a annoncé que celle-ci a décidé par consensus de retenir le chronogramme qui commencera par les élections présidentielles pour se terminer par les élections locales en raison, dit-il, des délais constitutionnels, de l'absence de dispositions électorales, qui semble, d'après lui, sera disponible au plus tard, au meilleur des cas, le 31 octobre, comme si c'est l'opposition, n'est-ce pas, qui est responsable de ce retard qui a été fait de façon calculée. Aucun procès verbal signé des membres présents à l'Assemblée plénière de la CENI n'a été ni dressé ni signé par les membres présents. Le consensus a d'ailleurs été recherché plutôt par les délégués de l'opposition, n'est-ce pas? Et ce qui est conforme donc à la tradition de prise de décision de la CENI, alors que la majorité a préconisé le vote, étant assurée, selon elle, qu'elle avait la majorité. Or, les délégués de l'ADR à la CENI ont contesté que l'adoption, entre guillemets, du chronogramme controversé n'a pas été obtenu par consensus. D'ailleurs, le porte-parole de l'ADR a dénoncé l'existence de ce prétendu consensus. De la corruption au sein de la CENI. Dans son communiqué de presse, le président de la CENI parle de débats qui sont déroulés dans la sérénité. Or, il est avéré qu'à l'occasion de la fameuse adoption du chronogramme, l'argent a circulé, comme le reconnaît son président, et en ces termes. Au terme d'une enquête sommaire, le bureau de la CENI a décidé de sanctionner ceux de ses membres qui ont confondu récemment leur mission au sein de la CENI à leur activité de représentant de partis politiques en posant dans les locaux membres de la CENI des actes de nature à rompre la confiance des parties prenantes. Il faut appeler un chat un chat. Des membres de la CENI ont été corrompus avec de l'argent à l'occasion du choix de l'un des deux chronogrammes proposés à ta décision. Or, au terme de l'article 31 alinéa 5 de l'arrêté du 27 juin 2015 portant règlement intérieur de la CENI, tout manquement aux obligations de réserve, de dignité, de neutralité et de toute forme d'indicateur financière de la part des membres de la CENI expose le contrevenant à son remplacement systématique sans préjudice de poursuites judiciaires. L'ARDR a écrit au président de la CENI
pour donner foi à ses propos sur la crédibilité de celle-ci, pour que des sanctions disciplinaires soient prises et des procédures judiciaires engagées contre les auteurs, co-auteurs et complices des corrompus. L'ARDR attache du prix à de telles sanctions conformément au règlement intérieur de la CENI pour donner crédit à l'image de la CENI que son président veut vendre à l'opinion. C'est pourquoi, d'ores et déjà, l'ARDR rejette en bloc un chronogramme retenu, n'est-ce pas, sans consensus et obtenu par des moyens de corruption reconnus de tous. Dans le même communiqué de presse, le président de la CENI a parlé du respect des délais légaux. Nous allons en parler. Selon le président de la CENI, le chronogramme retenu a tenu compte des délais constitutionnels liés à l'organisation des élections présidentielles et législatives. Or, les élections au Niger sont régies par le code électoral, notamment le code général des collectivités territoriales, la loi du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles locales et référendaires, et par la loi du 15 avril 2014 portant régime électoral des membres de l'Assemblée nationale, et non par la Constitution. Pour ce faire, dans un point de presse, le président et le vice-président de la CENI invoquent les dispositions de l'article 166 de la Constitution, insérées au titre 9, intitulé « Des collectivités territoriales et portant sur la compétence des tribunaux de grande instance », disposition nouvelle introduite pour la première fois par la Constitution de la Septième République, n'est-ce pas ? Or, nulle part dans ce texte, on ne parle de délai électoraux ni de la durée des mandats électoraux. Dans les articles 27 et 37 du Code général des collectivités territoriales, la durée du mandat du conseil municipal est de 5 ans renouvelable. À l'article 76 de la loi du 28 mars 2014, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. À l'article 78 de la loi du 15 avril 2014, portant le régime électoral des députés, il est dit, les députés sont élus pour un mandat de 5 ans, ils sont éligibles. Voilà pour ce qui est de la durée des mandats électoraux. À compter maintenant de quelle date commencent à courir les délais du mandat. L'article 166 de la Constitution, invoqué par le vice-président de la CENI, tout comme l'article 59 de la loi du 28 mars 2014, sont muets sur la question. Par contre, l'article 71 de la loi du 28 mars 2014 dit, s'agissant des élections présidentielles et locales, les candidats proclamés élus, j'insiste beaucoup sur la question, proclamés élus, demeurent en fonction jusqu'à ce que soit définitivement statué sur les réclamations. C'est-à-dire, même s'il y a des recours, dès que l'État vous proclame élu, vous êtes député, conseiller ou président. En clair, les réclamations et recours ne sont pas suspensifs. L'article 122 de la même loi du 28 mars 2014 dit également qu'elle abroge toute disposition antérieure contraire. Ce qui signifie que les dispositions non contraires contenues dans le Code général des collectivités territoriales trouvent application. C'est ainsi que l'article 37 de ce code dit que le mandat du conseil municipal prend effet à compter de la proclamation des résultats définitifs. Le texte a le même sens que l'article 71, tant en ce qui concerne l'élection du président de la République qu'en ce qui concerne le mandat du conseil municipal, qui prend effet dès que le candidat est proclamé élu, comme nous l'avons dit à l'instant. Ni la Constitution, dans son article 166, ni la loi électorale n'ont donné compétence au tribunal de grande instance et à la Cour constitutionnelle pour fixer la date de prise d'effet du mandat électif. Vous avez l'article 125 de la Constitution qui est très clair, qui dit que la Cour constitutionnelle contrôle la légalité des élections, les présidents législatifs, elle examine les réclamations et en proclame le résultat. Ce qu'il est demandé à la Cour, tout comme les tribunaux, c'est seulement de proclamer le résultat. Nulle part en leur donnant compétence pour prendre effet. C'est la loi qui donne la date à laquelle
prend effet le mandat. Voilà à ce sujet la position de l'ARDR. Le chronogramme retenu par la CENI a violé la loi électorale et les délais qu'elle a fixés. D'où sont régés, pur et simple, par l'ARDR pour revenir à un chronogramme qu'elle a écarté à dessein et à raison justement de la fraude qui est en train de s'annoncer, parce que je vous indique qu'en 1998, pour évaluer la crédibilité de la carte publique, tous les partis de l'opposition avaient exigé qu'on commence par les locales pour savoir le voix de chacun. Donc tout le monde sait que les locales permettent une évaluation réelle du poids électif de chacun. Et en inversant ce schéma, c'est la preuve sûre et certaine que l'exécutif actuel veut frauder. Déjà, en 1998, l'époque que je disais, la République, le chef de file de l'opposition, d'alors que je me refuse de nommer, et que vous nommez vous-même, n'est-ce pas, disait à propos des élections locales du 22 novembre 1998, où elles seront transparentes, où nous les empêcherons. À cette occasion, l'opposition de l'époque avait posé certaines conditions pour sa participation aux élections. C'est pourquoi, en raison de la crise de confiance sur le fonctionnement du CFM et de la CENI, et malgré la profession de foi du chef de l'État dans son discours du 2 août, où les élections présidentielles, législatives et locales seront transparentes, justes, équitables et inclusives pour tous, où elles n'auront pas lieu. En 1998, face à un régime militaire, la démocratie et le peuple nigérien ont résisté et ont vaincu. Le régime actuel veut passer en force pour justement gagner les élections comme en 1998. C'est le rôle assigné à l'actuel ministre de l'Intérieur qui a pour mission de procéder par force, de force d'autorité, à une victoire au premier tour du président, n'est-ce pas, de la République, au président de la République, n'est-ce pas, à l'instar de son illustre prédécesseur sous la 4e République. Déjà, le chef de l'État actuel disait par lui-même en 1998, il parlait du président, n'est-ce pas, de la 4e République. Il ne se rend pas compte que le type de régime qu'il préconise est historiquement fini, que le temps du Messie dictant des oracles au peuple et autres hommes provinciaux est révolu. Les bombes lacrymogènes et autres meurtres et assassinats ne peuvent venir à bout de la résistance populaire que d'aucuns estiment les citoyens nigériens incapables. De la disqualification et de la récusation de la Cour constitutionnelle, l'ARDR a récusé et disqualifié la Cour constitutionnelle actuelle pour contrôler la régularité des élections présidentielles législatives à venir et proclamer les résultats. Selon les autorités de la 7e République, l'article 135 de la Constitution a déclaré que la Cour constitutionnelle ne peut être ni dissoute et encore moins disposition de la loi être suspendue. Mais cette revendication n'est pas nouvelle. En 1998, l'opposition politique de l'époque, sous le FRDD, avait pris à partie la Cour suprême, et en particulier Ali Bandiaré, Hamma Al-Jini et même Soli Abdrahmane. Et par une déclaration en date du 1er juillet 1998, le FRDD avait demandé et obtenu le remplacement des membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême par de nouveaux membres soucieux du droit et de leur serment et jouissant de la confiance des deux parties, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition. Ainsi que de relever tous les cadres, elle a également demandé de relever tous les cadres de commandement qui sont impliqués dans les activités politiques et partisanes. Nous en ferons autant. Déjà en 1997, Lawal Kader écrivait à juste titre que le peuple est au-dessus de la Constitution. Or, l'ARDR représente au bas mot 70% de l'électorat nigérien. Mais le chef de l'État actuel lui-même n'a-t-il pas déclaré en 2012
à l'occasion des travaux des États généraux de la justice que, ainsi, les résultats d'un sondage exécuté par l'Institut national des statistiques sur un échantillon représentatif de la population renvoie une image inquiétante entre le système judiciaire et les citoyens. En effet, plus de 53% des personnes interrogées déclarent ne pas avoir confiance à la justice. 67% pensent que la corruption sévit dans le milieu judiciaire, pendant que près de 50% estiment que la séparation des pouvoirs n'est pas une réalité dans notre pays. C'est lui-même qui l'a dit. Ce qui signifie que c'est ce que nous reprochons à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, il n'y a pas une réelle séparation entre les activités d'un pouvoir judiciaire électif et ce que concerne le pouvoir politique, l'exécutif. C'est pourquoi, comme en 1998, et d'accord avec le constat du chef de l'État, il faut remplacer les membres actuels de la Cour constitutionnelle par de nouveaux membres soucieux du droit, de leur serment et jouissant de la confiance tant du pouvoir que de l'opposition. Pour terminer, nous allons parler de la question du harcèlement judiciaire de la plupart des membres de l'opposition. Vous savez, j'ai l'impression que le pouvoir actuel s'est copié et s'est plagié. Vous vous rappelez, dans les années 98, on va commencer d'abord par ce qu'on appelle l'harcèlement judiciaire à des fins politiques, c'est-à-dire régler les conflits politiques à travers des procès et des procédures judiciaires. À l'époque, vous vous rappelez, en 98, on avait mis une commission de moralisation pour faire pièce à un certain nombre de personnes. Et l'exemple type, vous vous rappelez, Akoli Dawal était déjà poursuivi pour avoir acheté d'occasion des véhicules du ministère de l'Agriculture, même s'il a passé au jeu de l'autre côté, ne revenons pas là-dessus. La division des partis politiques. Et là aussi, également, ils ont su plagier. À l'époque, il y avait le PDS Aléry, il y avait l'ANDP Zamalafia, il y avait le MNSD, il y avait le CNS, tous ces partis. Justement, on avait commencé à les diviser pour justement réconforter le RDP. Voilà où ils ont copié de façon tout à fait primaire ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui. Et à l'époque, ils dénonçaient ces pratiques-là comme étant des pratiques de basse politique. Et en ce qui concerne donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les tribunaux et la Alcia qu'on met pour pourchasser des hommes citoyens nigériens et en particulier les membres des partis politiques de l'opposition. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on constate? Des gens qui ont rendu gorge, auxquels on a levé l'immunité à l'Assemblée, qui ont passé en courant de l'autre camp la culotte tenue par les mains pour rejoindre les camps de la majorité. Alors, il faudrait que là également, que nous appelons un sursaut sur deux questions. La question d'abord du respect des libertés publiques, les libertés de manifestation, qu'on refuse à toutes les forces politiques, à toutes les forces de société civile, à tous les syndicats, alors que pendant des années, c'était des libertés garanties. Et tous ceux qui ont eu, n'est-ce pas, à s'abonner ces libertés, l'ont payé au plus cher. La deuxième chose, c'est qu'on se batte avec l'opinion pour l'arrêt des procès à dessein sur l'instruction à bas prix également et au moindre coût de nos tribunaux, parce que cela est constant. Depuis les débuts de la démocratie à ce jour, les pratiques des tribunaux ont souvent été, les tribunaux ont été interpellés et leurs pratiques dénoncées. Nous appelons également au ressaisissement des tribunaux et singulièrement à ceux qui se soucient dans le principe du respect du droit, à savoir le serment, nous appelons nos membres à prendre responsabilité, à revenir à l'éthique judiciaire, à revenir au souci de l'impartialité, de l'indépendance des juges, de l'intérêt de tous les citoyens et de l'intérêt d'eux-mêmes.